Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu saint, 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 reçois la gloire. 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 Seigneur. Oui, tu es Dieu. Sans aucun doute, tu es le véritable Dieu. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce qui te plaît. Tu fais ce que tu décides. Tu accomplis tes promesses. C'est ça, on t'appelle le Dieu souverain. Seigneur, nous inclinons nos cœurs devant toi. Parce que aujourd'hui, tu as décidé de changer le statut de quatre de tes enfants. Les sortir du célibat pour les amener dans les liens de mariage, pour les amener dans la grâce du mariage. Seigneur, c'est toi qui le fais. Nous te donnons toute gloire. Seigneur Jésus, pour la consécration de ces mariages, Papa, nous t'appelons de venir conduire les choses. Seigneur Jésus, prends le micro et parle à tes enfants. Tes enfants que tu prépares pour vivre le bonheur. Le bonheur du mariage. Seigneur, viens leur parler. Seigneur, nous prions que ta présence remplis ce lieu. Remplis ce lieu de ta présence. Seigneur Jésus, toute présence des ténèbres en ce lieu soit dissipée par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, toi seul règne en ce lieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Acclamez pour le roi. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour Jésus-Christ, celui qui est assis sur le trône, celui par qui toutes choses ont été créées, celui qui est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour éternité d'éternité. Son nom, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est Jésus-Christ. Devant le nom de Jésus, tous les faux dieux
qui n'ont point créé le ciel et la terre se taisent et disparaissent. Et seul le nom de Jésus-Christ soit élevé sur les nations. Seul le nom de Jésus-Christ soit élevé sur les peuples. Seul le nom de Jésus-Christ soit proclamé. Seul le nom de Jésus-Christ soit adoré. Que le faux Dieu disparaisse de la terre. Que le faux Dieu disparaisse du Bénin. Que le faux Dieu disparaisse de l'Afrique. Et que seul le nom de Jésus-Christ, le nom par qui l'univers a été créé, que seul ce nom subsiste d'éternité en éternité. D'éternité en éternité. Ce nom, c'est Jésus-Christ. C'est ce nom qui a pris cher. Qui est venu sur la terre. Qui est mort. Et il a ressuscité le troisième jour pour montrer qu'il est le Dieu de la vie, le Dieu de la résurrection, le Dieu de la restauration, le Dieu tout puissant, le Dieu devant qui tout genou fléchit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, asseyez-vous. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Pour votre présence massive en ce grand événement. Aujourd'hui, c'est un grand jour de fête. Parce que le Seigneur a décidé de bénir quatre de ses enfants pour former deux couples. Quand on parle de un couple, ça fait homme et femme. Aujourd'hui, il a décidé de faire d'une pierre deux coups. Il veut consacrer deux couples, deux coups non des moindres, deux couples jumeaux. Alléluia. C'est merveilleux d'être en Jésus-Christ. Peuple de Dieu, avant de commencer mon message, je vais d'abord saluer tous les frères et sœurs qui sont connectés sur la chaîne Jésus Revient TV. La chaîne qui sonne la trompette de repentance. Télévision mon coton et non coup à Rouen le Bojoton. Pour préparer les saints. Pour le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es connecté à cette chaîne pour la première fois, tu es connecté au ciel. Et Jésus-Christ te bénisse. Et tous les frères et sœurs qui nous suivent de par le monde entier. Tous les frères et sœurs de Jésus revient. Que ça soit au Bénin. Que ça soit au Togo, que ça soit en Côte d'Ivoire, que ça soit au Mali, que ça soit en Guinée, que ça soit au Cameroun, que ça soit au Gabon, que ça soit au Sénégal, que ça soit en RDC, que ça soit Congo-Brazza, que ça soit en Haïti, que ça soit aux États-Unis, que ça soit au Canada, que ça soit en France, en Allemagne, en Belgique. Je sais que vous êtes tous connectés. Je salue la famille de mon bien-aimé Bomiso depuis l'Angleterre.
Il est le fidèle des fidèles de Jésus, revient en Angleterre. Je salue toute la famille au nom de Jésus. Je salue tous les frères et sœurs. Vous êtes connectés à la vie. Vous êtes connecté à la vérité. Vous êtes connecté à la sainte doctrine. Vous êtes connecté à Jésus-Christ. Et avec Jésus-Christ, votre âme est en sécurité. Si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, votre âme est en sécurité. Alors vous êtes en sécurité. Je salue aussi toutes les familles. Je sais que ici il y a au moins trois familles. Il y a la famille de mes filles jumelles. Et il y a la famille du serviteur, l'évangéliste Daniel. Et il y a la famille de Isaac. Qui sont massivement venus du Togo. Acclamez Jésus-Christ. Acclamez Jésus. Pour toutes les familles qui sont mobilisées. Pour ce grand événement. Peuple de Dieu. Je vous le dis en vérité, en vérité. C'est en Jésus-Christ que de tels événements peuvent se passer facilement sans qu'il y ait d'obstacle, sans qu'il y ait d'incident, sans qu'il y ait d'accident. C'est en Jésus-Christ. Si vous avez choisi Jésus-Christ, voilà les choses agréables qu'il peut accomplir dans votre vie. Alléluia. Amen. Je vous le dis en vérité, en vérité. C'est en Jésus-Christ que le mariage est glorieux. Je ne vois pas un féticheur qui peut lever le doigt ici. Qui va me dire que le mariage dans le vaudou est glorieux comme ça. Non. Ça marche pas comme ça. Alléluia. Amen. Donc venez à Jésus. Mais c'est une manière de vous dire. Que c'est en Jésus que vous aurez les belles choses. C'est en Jésus que vous aurez des choses agréables. Si vous n'avez pas Jésus, vous êtes la proie facile des sorciers. Dans les familles, nous savons comment la sorcellerie fait de ravages. Et les gens ne peuvent même pas avoir le courage de parler de leur mariage. Ils sont obligés de se cacher pour aller coucher avec les délinquants. Et on les voit seulement avec grossesse. Viens à Togo aussi. D'où viens-tu avec ça là? Tonton de l'eau fond, mais finalement. Oh, Fofo, le tonton qui est ouais, dans le vent là. Eh ouais, eh ouais. C'est lui. Et c'est comme ça. Les noms, ils mais en Jésus-Christ. À mon nom de Jésus-Christ, Jésus va te donner. Jésus nana, oui. Un homme qui crée son nom. Sonou et non de boudou tout en. Alléluia. Alléluia. Jésus va te donner. Jésus nana, oui. Une femme qui crée son nom. Yonou de non de boussi mawa. Un homme. Sonou. Que tu vas épouser. Et Anada. Qui ne va pas chercher à découvrir ta nudité avant d'aller voir tes parents. Et Manaba, mon métou et Wachobo et mon médito tout est là. Aujourd'hui, dans le monde païen, on te dit d'abord, je vais connaître d'abord ce que tu es. Et après ça, on verra le reste. Et quand tu tombes enceinte, ou bien il y a même un léger retard, et tu l'informes, il change d'humeur. Je vous dis la vérité. Mais en Jésus-Christ,
avant, qui ne cherche même à te découvrir, il va d'abord se renseigner. Il va d'abord s'approcher des hommes de Dieu, des pères dans la foi. Il va chercher d'abord à voir tes parents. Il doit d'abord faire la torte. Et ça ne s'arrête pas là. Après la torte, il va maintenant aller te présenter à l'État, à la mairie, pour s'engager à vivre avec toi pour toute sa vie. Et c'est après ça qu'il va se présenter devant Dieu. Donc le mariage en Christ, c'est scellé par trois alliances. Et on ne peut jamais le détacher. Mais dans le monde, on se marie aujourd'hui. Dans 6 mois, dans 1 an, on est fatigué. On est fatigué. Et puis, on ramasse ses clic-clac. Peuple de Dieu, c'est pour vous dire que si tu n'as pas encore Jésus-Christ, tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Et tous les parents, familles qui sont venus ici, celui qui a permis ce grand événement, c'est Jésus-Christ. Donc votre fils, votre fille, que vous êtes venu assister dans ce mariage, la foi qu'ils ont choisie, la foi qui les a amenés à cette dimension aujourd'hui, c'est la foi de Jésus-Christ. Elles ont choisi la meilleure foi. Et elles vous ont invité à venir voir aujourd'hui ce que Jésus est capable d'accomplir dans la vie de quelqu'un qui le craint. Et nous vous invitons aussi à donner votre vie à Jésus, à vous engager avec Jésus-Christ. Et tel que le présentateur a déjà annoncé, ici, c'est la cité Jésus revient. Vous êtes à la cité du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et quand nous disons Jésus revient, nous annonçons effectivement le retour de Jésus-Christ. Et nous prêchons la repentance totale. Quand vous voyez tout ce qui se passe sur la terre aujourd'hui, il faut savoir que tout ce que les saintes écritures ont annoncé, toutes les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Et nous ne sommes plus dans Genèse, mais nous sommes dans Apocalypse. Et nous sommes en train de lire les dernières pages de l'Apocalypse. Et dans cette dernière page, nous voyons les signes du retour de Jésus-Christ. Et c'est pour préparer les saints, les vierges sages, que Jésus-Christ a suscité ce réveil qui s'appelle le groupe Jésus revient, le groupe qui annonce toute la terre à toutes les nations de mettre de l'ordre dans leur vie, le groupe qui sonne la trompette de repentance. Et nous prêchons la sainte doctrine, comment le chrétien doit vivre
dans une bonne relation avec Dieu. Comment être un vrai enfant de Dieu? Un vrai disciple de Jésus-Christ. C'est ce que nous prêchons. C'est ce que nous appelons la sainte doctrine. Et dans la sainte doctrine, nous parlons beaucoup de la sanctification. Parce que la parole de Dieu nous dit que sans la sanctification, nul ne peut entrer au ciel. Parce que la parole déclare que les chiens, tous les abominables, tous les impudiques, tous les magiciens. Donc pour aller au ciel, tu dois abandonner le péché. Tu dois abandonner le monde. Tu dois abandonner les choses qui brillent dans ce monde. Et tu dois attacher ton cœur, ton âme et ton esprit à Dieu ton créateur. Et c'est ainsi que ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu ne peux pas franchir le portail du ciel. Quelle que soit ta religion, Dieu ne connaît pas ta religion. Quelle que soit ton église, Dieu ne connaît pas le nom de ton église. Mais le nom qu'il connaît là-bas, c'est sainteté, répentance, sainteté, répentance, sainteté, répentance. Et c'est ce que nous prêchons ici. C'est ce qui nous a mis dans la bouche. C'est pourquoi vous allez voir que l'environnement même est différent. Quand vous êtes venu ici, vous n'avez pas vu la photo d'un grand homme de Dieu, bishop. Vous n'avez pas vu un bishop avec sa femme sur un trône ici. Parce que ici, c'est Jésus-Christ qui est le roi. C'est lui seul qui s'assoit sur le trône ici. Alléluia. Voyez, mais bon, les chantres, voyez comment elles sont habillées. Mais bon, les elles sont habillées. Elles n'ont pas porté de boucles d'oreilles. Elles n'ont pas mis de mèches. Elles n'ont pas mis les rouges à lèvres. Mais si elles sont belles à vos yeux, acclamez pour Jésus. Alléluia. Voilà comment Jésus-Christ veut que ses enfants se présentent devant lui. Pour ses enfants qui veulent aller au ciel. Si tu veux aller au ciel, tu vois t'habiller décemment comme ça. Mais toute église dans laquelle tu vas, en collant, en basculant tes fesses comme ça, et il n'y a pas quelqu'un au portail qui t'arrête, qui te dit ici on ne vient pas comme ça. C'est l'église de la mort. Quel que soit le temps que tu vas passer là, quel que soit tout ce que tu vas faire là, au portail du ciel, le Matthieu 5 va te frapper. Le Luc 13, 22 va te frapper. Où Jésus-Christ a dit, en ce jour, plusieurs me diront, Seigneur, c'est en ton nom j'ai prophétisé, c'est en ton nom j'ai chanté, c'est en ton nom j'ai évangélisé. Mais je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Ouvrier d'iniquité. Tu peux servir Dieu. Mais si tu ne le sais pas dans la sainteté, dans la sainte doctrine,
Tu es ouvrier d'iniquité. Et aucun ouvrier d'iniquité ne peut entrer au ciel. C'est pourquoi je vous invite à mettre de l'ordre dans votre vie. Et c'est ça la devise de notre mission. Répandez-vous. Lavez vos robes. Purifiez-vous. Car Jésus-Christ est à la porte. C'est un message important. Peut-être que tu n'as jamais entendu. Mais peut-être c'est la dernière occasion, la seule occasion. Que tu écoutes ce message avant de mourir. Pour qu'un portail du ciel. Que tu ne dises pas. Ah Dieu, mais tu ne m'as pas informé sur la terre. Moi, il m'a mis sur ton chemin. Au moment où tu es venu ici. Pour que je t'informe. Que sans Jésus, tu ne peux pas aller au ciel. Sans la sanctification, tu ne peux pas aller au ciel. Sans la sainte doctrine, tu ne peux pas aller au ciel. Je veux t'informer aussi que l'enfer est réel et que le paradis est réel. Pour aller en enfer, vis ta vie comme tu veux. Vis ta religion comme tu veux. Choisis ton chemin comme tu veux. Mais pour entrer au ciel, il y a un seul chemin et ce seul chemin s'appelle Jésus-Christ. Et si tu t'engages sur ce chemin, alléluia. Si tu t'engages sur ce chemin, tu dois craindre le Dieu créateur. Tu dois marcher selon sa foi. Tu dois te dépouiller des choses du monde. Tu dois abandonner les choses de Jézabel. Si tu es catholique, tu m'écoutes. Tu dois casser les statues de Vierge Marie. Tu dois détruire et brûler les chapelets. Parce que dans ce livre, le livre de la vie, aucun chrétien n'a utilisé chapelet. Aucun chrétien n'a prié Marie. Aucun chrétien ne s'est agenoué devant des statues en argile. Donc si c'est chrétien que tu dis que tu es, voilà ce qui est écrit ici que tu dois observer. Tu vas me dire, moi je suis chrétien évangélique. Et je vais te dire en vérité. Quel que soit ton chrétien évangélique, le plus petit bouc d'oreille que tu portes dans tes oreilles va te conduire en enfer. Parce que la parole de Dieu le dit. Mais dans ton église, on ne l'a jamais dit à côté de toi. Parce que le pasteur sait que quand il va te dire ça, tu vas quitter son église pour aller ailleurs. Et lui, ses recettes de dîmes et offrandes vont baisser. Ici, nous, on ne veut pas ta dîme et ton offrande. Mais nous voulons que ton âme soit sauvée. Alléluia. Voilà le plus grand cadeau que le Seigneur me permet de vous transmettre. Le message de repentance. Peut-être dans la rue, quand je vais te croiser, tu n'auras pas le temps de m'écouter. Mais le Seigneur veut que, dans ces circonstances, je te le dise, que ça rentre bien dans tes oreilles. Enlève tes boucles, tes rouges à lèvres. Les fausses ongles que tu as mis. Regarde tes ongles. Et regarde à quoi ressemblent les ongles des sorciers. Les vampires. Quand vous regardez les films vampires, vous voyez les attaquants phénols là. Voilà, tu as mis les ongles des vampires. Et tu dois enlever tout ça. Si tu as tes rouges aux lèvres, quand les sorciers boivent du sang, leurs lèvres sont remplies
de sang, leurs lèvres rouges. Oh, nous flottons quand maintenant, nous ils ont converti ça en mode. Et ils t'ont donné. Bon, oui. Pour que toi aussi tu dois traiter de sorcier devant Dieu. Et les produits de rouge à lèvres que vous utilisez. Ces produits sont fabriqués à base des organes humains. Donc toutes les fois que tu mets rouge à lèvres, c'est comme tu as mis du sang humain à tes lèvres. Tu dois abandonner ça. Toi qui as de difficultés à marcher pour venir ici. Parce que tu as porté un guide. Et tu as tous les problèmes pour marcher. Mais tu marches quand même. Tu es un prisonnier, prisonnier de Jézabel. Et Jésus-Christ t'appelle. Et Jésus te tend la main pour te libérer de ta prison. De sortir de l'esclavage de Jézabel. Si tu as porté des tenues ceci. Parce que je sais que dans les mariages ailleurs. Voilà, quand on va au mariage, on va aussi en ayant un esprit de tenter aussi sa chance. Peut-être là-bas, je peux croiser aussi mon prince. Si tu es venu ici dans cette idée, et tu es venu avec tes seins légèrement nus, je te demande pardon, il faut cacher tes seins. Tiens-nous dos. Alléluia. 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 Amen. Si tu as mis des mini-jupes pour flasher le cœur des hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu ici sont blindés. Il n'y a plus un cœur à flasher ici. Donc viens, on va travailler avec toi. On va prier pour toi. Tu n'as pas besoin de te mettre nu pour que Dieu te donne l'homme de ta vie. Regardez mes filles, elles s'habillent décemment. Mais les amis leur disent, mais la manière dont vous l'êtes là. Quel homme va vous voir et vous louer? Regardez comment vous vous habillez comme des vieilles. Mais Jésus-Christ les a bénis. Amen. Jésus te donne à nous. Alléluia. Les deux le même jour. Les deux le même jour. Alléluia. C'est pour te dire que tu n'as pas besoin de t'habiller comme une prostituée. D'abord, si tu t'habilles comme une prostituée, l'homme qui va traiter avec toi, il n'aura jamais l'intention de te marier. Parce que ce qui est caché, ce qui devra être caché, tu as mis ça publiquement à tout le monde. Mais lui, il a pris sa part. Donc il ne peut pas te garder à la maison. Il ne peut pas te prendre pour femme. Mais il va te voir comme une prostituée. C'est pour ça qu'aussitôt quand il te voit, il t'amène au cafétéria, il paye spaghetti 1000 francs. Et la suite, il t'amène directement dans la chambre de passage. Gloire à Jésus. Amen. Peuple de Dieu, que ces choses ne vous choquent pas. Le monde n'aime pas la vérité. Mais chaque fois quand tu mets pied ici, la seule chose que tu vas écouter, c'est la repentance. Le message qui doit te connecter à Jésus. Le message qui va te transformer.
Moi qui te parle, c'est dans chambre de passage que Jésus-Christ a opéré ma délivrance. Donc c'est pour ça que je suis tranchant avec ce sujet-là. Parce que c'est un sujet que je maîtrise. Alléluia. Amen. Ton repentance. Père de Dieu, aujourd'hui c'est un grand jour. Le jour de grâce et de bonheur. Pour ma fille Dorcas. Et ma fille Sarah. Peuple de Dieu. Je n'exagérerai pas. Si je les présente. Je vous le dis en vérité, depuis que le Seigneur a allumé le feu du réveil. Elles ont vu la flamme, les deux ont vu la flamme. Elles sont les premières. Et sont l'une des premières qui se sont approchées de cette flamme. 2019-2020. Amen. Amen. Et depuis lors, elles sont restées fidèles. On a commencé le réveil dans ma boutique à Bégamé. Et c'est là-bas qu'on a commencé à prier. On restait dans une petite boutique, dans un petit coin. Mais non, et nous certains clowns. Et on priait. On faisait tout là-bas. Mais non, blanc, et elle venait là-bas. You know what? Et c'est là-bas. Donc, le Seigneur a commencé. Battait leur vie. Et jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à nous amener de dimension en dimension. Elles ont toujours été avec nous. Jusqu'à ce qu'à un moment, le Seigneur me dit, ces deux filles, prends-les avec toi. Parce que je veux t'utiliser pour faire quelque chose dans leur vie. Et c'est ainsi que je leur ai parlé. Et je leur ai dit, le Seigneur m'a mis à cœur de vous garder avec moi. J'ai parlé avec ma femme. Ma femme n'a pas refusé. Et aussitôt, les deux m'ont rejoint. Et je vous dis, depuis qu'elles m'ont rejoint, ça peut arriver quand un homme est à côté de toi. Il peut y avoir des problèmes. Il peut montrer un comportement. Mais je vous dis, jusqu'aujourd'hui, le Seigneur est témoin. Elles n'ont posé aucun comportement. Aucun comportement bizarre. Pour que même que je l'ai, ou bien je l'ai puni, ou bien quoi, rien. Quand on dit Jésus là, la nuit, elles sont dedans. Le jour, elles sont dedans. Sous le soleil, elles sont dedans. Sous la pluie, elles sont dedans. Alléluia. Alléluia. Je te dis, la manière dont tu prends Jésus, c'est de cette manière qui va impacter ta vie. Quand tu le prends légèrement, il va impacter légèrement ta vie. Mais quand tu le tiens comme du fer, il va impacter des choses incroyables dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Depuis qu'elles sont venues, nous ici, tu n'entendras pas prédication. Ah, tu vas te marier à Canada. Ah, je vois ton mari au Canada. Ah, je vois ton mari en Espagne. Ah, je vois l'homme de ta vie, je le vois en Italie. Ah, mais tu n'entendras pas ici. Tu n'entendras pas ici. On ne perd pas notre temps à prêcher sur le mariage. On ne perd pas notre temps à prêcher sur la prospérité.
Mais nous perdons tout notre temps à prêcher sur le royaume des cieux. Parce que le Seigneur Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Lorsque vous recherchez le royaume des cieux, tout ce dont vous avez besoin sur la terre vous sera accordé. Hallelujah. Et c'est ce qu'il est en train d'accomplir dans leur vie en ce jour. Ils n'ont pas prié pour le mariage. Mais chaque fois, elle prie pour avoir plus d'intimité avec Jésus. Et c'est dans cette intimité le Seigneur voit pour dire, ma fille Sarah, tellement elles sont attachées à moi. Oh, yebla, il est donc je peux les donner maintenant. Nous n'y n'en d'abriter, cette année 2023. Oui, adopte, oui, qu'on nous quand on les dit. Quel cadeau je vais leur faire pour les motiver. Il y a un vide dans leur vie que je dois combler. Je dois leur donner l'homme de leur vie. Alléluia. Père de Dieu, cette année seulement, le groupe Jésus revient a déjà organisé près d'une dizaine de mariages. Mais nous ne prêchons pas sur le mariage. Ce qui veut dire que ceux qui s'attachent à Jésus ici, là, le Seigneur comble le vide qu'il y a dans leur vie. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il veut accomplir dans la vie de ses enfants. Et c'est avec une grande fierté que je suis en train d'être témoin de ce mariage, de cette consécration. Et je le dis la main sur le cœur, que leurs maris seront très heureux. Alléluia. Seront très très heureux. Parce que le Seigneur ne vous a pas donné un cadeau ordinaire, mais un cadeau extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc vous devez prendre soin de ce cadeau-là. C'est important. Mais je sais aussi que les hommes que le Seigneur a choisi pour ses vases, ce ne sont pas aussi des hommes légers. Ils sont aussi des hommes déterminants, des engagés, les inconditionnels du réveil. Alléluia. Amen. Quand on te parle de l'évangéliste Daniel, depuis qu'il a goûté le feu de réveil, le feu l'a embrassé, le feu l'a transformé, et le feu a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Quand on parle du frère Isaac, je vous dis, depuis le pays de l'oncle Sam, qu'il a connu le feu du réveil, et il s'est connecté, et il a commencé à vivre de ce feu, et le feu a commencé à agir dans sa vie, et il a commencé à abandonner les choses du monde, et il s'est engagé totalement dans cette dynamique, dans ce réveil, et ce réveil a porté beaucoup de fruits dans sa vie, et c'est ce fruit que nous voyons. Quand tu te présentes devant nous pour dire, ah,
Évangéliste, je suis prêt pour mon mariage. La seule chose qu'on va voir sur toi, est-ce que tu es brisé? Est-ce que ta vie chrétienne porte de fruits? Parce que vous reconnaîtrez un arbre par les fruits qu'il porte. Si tu n'es pas encore brisé, que tu sois femme, que tu sois homme, et tu viens déposer ta candidature pour le mariage, tu verras candidature rejetée. Ça veut dire qu'il te reste encore du travail. Alléluia. Amen. Mais si tu es brisé, tu vas voir que tout va se passer très bien. Et il n'y a pas un petit sorcier de ta famille qui va lever un petit doigt. Alléluia. On va couper son doigt. Et la symphonie. Père de Dieu. Voilà ce que je connais de ces élus, ceux qui sont vraiment choisis aujourd'hui pour cette grâce. J'ai de très bons témoignages sur leur vie. Et je sais que ils formeront de très beaux couples. Et leurs couples porteront de beaux fruits. Et peu de Dieu, nous n'allons pas beaucoup discourir aujourd'hui. C'est l'essentiel. Parce que ils ont déjà passé toute leur vie quand Jésus revient, où on leur a déjà enseigné les rudiments de la vie chrétienne. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un jour de formation pour eux. Ils ont déjà fini leur formation et ils veulent recevoir leur parchemin aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc nous n'allons pas encore passer le temps pour enseigner sur le mariage. Alléluia. Amen. Mais l'essentiel qu'il faut retenir est que le mariage, c'est un acte sacré. Devant Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole que le mariage soit honoré de tous. Donc le mariage doit être honoré par la famille des fiancés. Le mariage doit être honoré par le pays dans lequel vous êtes. Donc, l'État doit reconnaître votre mariage. L'État doit certifier. La famille doit certifier d'abord. Et l'État doit certifier d'abord avant que Dieu même le certifie. Si tu reçois ces trois certificats, ça fait trois entités qui sont témoins. Les entités de ta famille sont témoins. Les entités de ton pays sont témoins. Et toutes les entités du royaume des cieux sont aussi témoin. Ce qui veut dire que votre oui, l'un pour l'autre, trois entités sont témoins. Donc, il n'y a plus d'erreur. Vous ne devrez plus commettre certaines erreurs. Dans Genèse 2, le verset 24, Genèse
Abraham quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Donc, pour que l'homme quitte son père et sa mère, pour que l'homme quitte sa famille, et pour que la femme aussi quitte ses parents, pour que les deux s'attachent, il y a des précédents. Il y a des préliminaires qui ont été faits. Que la parole de Dieu exige. Et ils sont passés par tous ces processus. Ce qui veut dire qu'à l'étape actuelle, ils sont déjà à près de 90% de leur processus. Donc ils sont à quelque part jusqu'au moment où on va les unir. Et avant les unir, le Seigneur veut que nous leur rappelons ces conseils très importants qu'on leur avait toujours donnés selon les Saintes Écritures. L'homme doit connaître son rôle. Et la femme doit connaître aussi son rôle. Et nous pouvons lire dans le livre de Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 25. Marie. Aimez vos femmes. Christ a aimé l'église. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de le faire paraître devant lui. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'église. C'est parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. C'est suffisamment clair et détaillé. Le rôle de l'homme envers sa femme. L'homme doit aimer sa femme en toutes circonstances. Et il doit le démontrer. Ce n'est pas seulement lui chanter tous les matins Ma chérie, je t'aime. Non, ce n'est pas seulement un chant d'oiseau. Mais tu dois le démontrer dans tes comportements. Tu dois le montrer. Tu dois prendre soin d'elle. Alléluia. Amen. Tu dois prendre soin d'elle. De sa santé. De sa nourriture. De son habillement. Et dans tous les domaines de sa vie. Tu dois le démontrer. Tu dois l'entretenir. Tu dois la rendre belle. Alléluia. Amen. C'est ta chose.
Tu dois l'embellir. Adona sonuni. Alléluia. Amen. Tu dois l'embellir. Andachoni. Alléluia. Amen. C'est pas seulement le jour de mariage qu'elle va porter de belle robe et puis après le mariage. Donc voilà, on jette la robe et puis c'est fini. Non! Cette robe, tu peux lui coudre ça autant de fois que possible. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Alléluia! Amen. La manière dont tu veux la voir. Tu veux voir ta femme. Rayonnante. Sans les paris de Jézabel, bien sûr. Jézabel, si nous sous les deux mais naturel. Amen. Comme tu l'as vu pour l'aimer. Tu dois l'embellir ainsi. Adonna son mimo. Tu dois lui donner la joie au cœur. Adonana awadide aihaton. Tu dois la motiver dans les moindres choses. Do nous pavi pavi lemeon anonei awadide. Tu dois la motiver. Adonane awadide. Tu dois l'encourager. Adonate alors continue. Si elle prend des initiatives. Eno ezebeta kende. Tu dois la soutenir. Adona gwaloni. Tu dois lui montrer. Adonakle. Que tu es comme son gardien. La femme avec toi, elle doit se sentir en sécurité. Elle doit sentir que mon mari est capable. En toutes choses, bien sûr. Comme Jésus-Christ se montre toujours capable pour prendre soin de son église. Parce que la parole de Dieu a comparé le foyer chrétien, la relation entre l'homme et la femme. La parole compare cette relation à la relation qui lie Jésus avec son église. L'église, c'est comme la prunelle des yeux de Jésus-Christ. Et Jésus n'aime pas qu'on touche à son église. Et c'est pareil. Que toi aussi, homme, oui, tu dois prendre soin de ta femme. Adonna, oui, bon, nous, tu toi. Dois chérir ta femme. Adonna, oui, tu bon, dois nous, prendre ta femme Adonna, comme la prunelle de tes yeux. Nous, et tu dois pas permettre bah, que quelque chose touche à ta femme. Nous, 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 c'est très important. C'est ce que la parole de Dieu te demande. C'est ton devoir. C'est ta responsabilité. Maintenant, toi, femme, qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. La femme respecte son mari. Colossiens 3, 18. Colossiens 3, 18. Colossiens 3, 18. Tiens, chapitre 3, le verset 18. Colossiens, je lis au nom de Jésus. Femme, soyez soumises à vos maris. Soyez soumises à vos maris. Midosi sinu a soumis ton lèvre. Dorcas. Dorcas. Sois soumise à Isaac. Non, à terre, Isaac ton gloire. Sarah. Sarah. Sois soumise à Daniel. Non, à terre, Daniel ton gloire. C'est ton devoir. C'est ce que le Seigneur te dit. Et il ajoute
Comme il convient dans le Seigneur. Donc c'est convenable. C'est une convention en Jésus-Christ. Que la femme se soumette à l'homme. C'est une obligation. C'est une obligation. La femme doit voir son homme comme son chef. À l'exemple de Sarah, la mère de tous les croyants. Non, il sait non la bicuiton. Elle est une modèle. Et il pondait où? En matière de soumission. Nous, et non, à tes glons, non, nous, à soumettre. Elle se soumettait. À son mari Abraham jusqu'à l'appeler Seigneur. Alléluia. Amen. Donc si tu appelles ton mari Seigneur, tu n'as pas péché. Alléluia. Amen. Parce que Sarah appelle Abraham. Non, Sarah non Abraham non. Bon Seigneur. Sete. Mais elle n'a pas péché. Ouais. Parce que effectivement, non, quand le Seigneur vient dans le foyer, la première personne mais nous comptons, qu'il voit, et non, c'est d'abord l'homme. Et ouais, sous nous. Il voit l'homme comme le responsable. Mais non, sous nous, non, quand nous comptons, le responsable dans le foyer. Mais quand nous comptons, le chef dans le foyer. Mais il a sous nous, comptons, c'est l'homme. Le représentant de Dieu dans le foyer, c'est l'homme. C'est pourquoi la femme, la manière dont elle respecte le Seigneur, elle craint le Seigneur, c'est le même respect qu'elle doit manifester envers son mari. Sinon, il y a problème. Si tu crains le Seigneur et tu méprises ton homme, tu as mal fait. Et ça peut t'empêcher d'aller au ciel. Parce que le Seigneur l'exige. Tu dois te soumettre. Et lorsqu'on parle de soumission, c'est pas que quand ton homme te dit que bon, maintenant nous avons assez parlé de Jésus. Maintenant, on va essayer un autre Dieu. Tu vas pas le suivre. Si ça, c'est la ligne rouge, hein? C'est une ligne rouge. Oui, va, va, ouais. Si ton homme te dit, bon, viens, on va aller adorer d'autres dieux. Et non, surtout dans le monde, ouais, mais là, c'est mal de vous. Tu cries au scandale. Ah, non, tôt, oh, pour sauver ta tête, pour sauver ton âme. Bon, on est à toi, on est à l'île dans toi. Mais dans le foyer. Avant de rendre, pour ce qui concerne. Nous et quand. La vie. Baisant, mettons. Conjugale. Quand on doit, mettons. Quotidien. Ah, on peut, mettons. Tu dois réellement lui montrer du respect. Adonado, lui montrer de la considération. Adonado, Winnie. Quand tu parles à ton mari, on doit sentir que Adonamondo, c'est une personne soumise qui parle à un chef. Non, medo, a te gloire wado, hodonu ganton. Est-ce que j'exagère? Non, hodobo. Hein? Non, hodobo. Tu veux lui prendre, tu veux prendre quelque chose chez lui. Adonai n'est content. Eh, faut Isaac et Nkwebe. Isaac et Nkwebe. C'est nous, 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 Isaac, je m'en vais. Hein. Donne-moi la chose, non. Je m'en vais. Je t'attends, non. Tu ne vas pas prendre. Alléluia. Amen. La Bible dit que oui, non. La nature nous enseigne. Non, I want to clone me. Est-ce que tu as jamais vu une poule en train de dire cocorico. Si cela arrive, cette poule là on la tue. Tout
Toute poule qui chante cocorie au corps. Cocorie n'est notre père, mais voilà, mais dans homme, bon. Chers parents, dites-moi la vérité. Cocorie n'est notre père. Est-ce qu'on laisse la vie à cette mère poule? Hein? Ah ah. Ce qui me dit quoi? Dis-moi ton endo. La poule. Cocorie sinon. C'est de chanter en douceur. Et nous léquons. Et nous dirons d'eau. Et nous léquons. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, Doka Sarah, Doka ne faites jamais cocorico dans le foyer. Quel que soit votre zèle, quel que soit votre talent, votre mari peut être n'importe qui. Une fois que vous avez dit oui devant Dieu, devant l'État et devant votre famille, de les prendre comme époux, vous devez vous soumettre. Vous devez leur montrer de la considération en parlant avec eux. Vous ne pouvez pas oser le temps. Non. Vous ne pouvez pas, tu ne peux pas gronder sur ton mari. C'est grave. C'est grave. Donc, c'est des choses élémentaires que vous devez comprendre. Tu dois vraiment prendre note de ces choses. Que cela ne t'échappe pas. Le Seigneur veut voir dans le foyer qui est le chef et qui est la soumise. Et que le chef ne prend pas aussi sa femme comme un esclave, comme une prisonnière qui n'a pas de droit, qui n'a pas de voix, qui n'a rien à dire. C'est ce que lui dit qui passe. Non. Doucement. Je te dis, pour réussir un projet là, il faut confier à ta femme pour voir comment ça va réussir. Alléluia. Amen. Pour réussir, je vous dis, si le Seigneur m'amène aujourd'hui à cette dimension, le Seigneur a utilisé ma femme comme un ange à côté de moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, homme, en Christ, tu dois savoir que Dieu ne peut plus descendre physiquement de son trône pour venir te parler. Mais il peut passer par ta femme. Ça peut être par inspiration. Ça peut être par révélation. Ça peut être par songe. Ça peut être par parole de connaissance ou parole de sagesse. Tu as un projet et tu lui confies ça. Et l'Esprit de Dieu va descendre en elle sans qu'elle-même ne le sache. Elle va te dire, ah, mon chéri, faisons ceci, ça va marcher. Et tu vas essayer. Et tu vas voir comment ça marche. Et tu vas glorifier le Seigneur. Mais si tu méprises ses conseils, si tu la méprises, à devenir. Oh, Zendo Bukmata, waouh, mon Dieu, waouh, 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 toi, tous les jours, c'est ce que tu dis. J'ai mal. Ah. Tu as déchiré ta grâce sans le savoir. Fais-nous toi, arrivons à voir. Les femmes ont le sens, je ne sais pas comment qualifier. Elles ont une intuition. Elles voient souvent les choses de loin.
Mais l'homme, il voit de proche. C'est pour ça. Je vous prie. C'est un secret que je vous donne aujourd'hui. Prenez l'habitude de consulter vos femmes. Alléluia. Amen. Et ensemble, allez sur vos genoux pour consulter Dieu sur vos projets. Et vous verrez comment ça va réussir. Je vous le dis en vérité, en vérité. Vous allez voir que les femmes ont la grâce de plus de dons que les hommes. Parce que elles reçoivent facilement de Dieu que l'homme. Parce qu'elles sont sensibles. Alléluia. Amen. Donc ne méprisez pas le conseil de vos femmes. Et toi aussi, femme. Quand tu donnes conseil à ton mari, quand on dit conseiller, c'est pas que tu vas t'imposer. Quand tu donnes conseil, il faut donner conseil avec amour, avec douceur. Mais ne te montre pas arrogant dans tes conseils. Montre-lui la voie, indique-lui l'orientation que tu reçois dans ton cœur. Et fais-le avec amour. Et ne pense pas que c'est forcément ce que toi tu dis qu'il doit faire. Et ne faut pas lui donner des ordres. L'homme n'aime pas qu'on lui donne des ordres. C'est la nature de l'homme. Mais il faut lui parler avec humilité. Et ça va passer librement. Alléluia. Amen. Nous allons parler des principes élémentaires qui gouvernent l'amour dans le foyer chrétien. Et dit ouais, il s'est longtemps. 1 Corinthiens chapitre 13. Corinthiens là si vraiment nous comptons. 1 Corinthiens chapitre 13. Corinthiens là si vraiment nous comptons ta waton. Verset 4. Le verset 4. Kamene. L'amour est patient. Voilà. L'un des premiers principes de l'amour dans le foyer chrétien. Nous donnons nous comptons et il y a la patience. Si tu n'es pas un homme patient, tu vas bâtir ton foyer en un jour et tu vas le casser en une seconde. Je te dis en vérité, si tu n'es pas un homme patient, si tu n'es pas un homme qui boit un verre d'eau avant d'agir, tu vas casser ton foyer en une fraction de seconde. La femme va te parler. Tu vas lui flanquer la gueule et tu as oublié que tu l'as fait même. Donc la patience est l'un des principes élémentaires sur lequel vous devez bâtir votre foyer. La patience, quelle que soit la situation, ne réagissez jamais avec précipitation. Ne réagissez jamais avec colère. Oh, tu vas faire des gars. Non. Je te demande pardon. Il faut agir avec patience. Avec tempérance. Et non avec agitation. Sinon, tu vas commettre des erreurs irréparables. Je te dis la vérité.
toi qui es venu assister à ce mariage, oui, mais wa, alors, oui, le Seigneur te parle aussi. Peut-être que ton foyer est actuellement sur un béquille comme ça, prêt à tomber. Mais avant de quitter ici, Jésus veut redresser. Donc il faut aussi écouter ces conseils et mets-les en pratique. Toi, femme qui gronde sur ton mari, arrivez à la maison, à genoux toi devant lui. Et demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Pour la dernière fois que tu as grondé sur lui. Demande-lui pardon. Et promets-lui que c'est la dernière fois. Et ne le fais plus jamais. Je te dis la vérité. Quand tu grondes sur ton mari, tu vois quand le tonnerre gronde, comme la nature tremble. C'est comme ça le ciel tremble quand tu grondes sur ton mari. Dieu ne supporte pas les femmes arrogantes, les femmes insoumises, les femmes rebelles. Toutes les femmes qui ont ces caractères, elles ont besoin de délivrance de l'esprit de Jézabel. Jézabel ton si. Parce que dans la parole de Dieu, la seule femme qui s'est montrée arrogante envers son mari, qui s'impose à son mari, qui impose sa décision à son mari, qui se prend pour chef, elle s'appelle Jézabel. Et toutes les femmes qui ont ce comportement ont son esprit en elle. Et vous avez besoin de délivrance. Mais si tu es femme soumise, tu dois avoir la patience en toutes choses, en toutes circonstances. Si il y a une situation qui arrive, il faut agir avec tempérance, avec douceur. Alléluia. Amen. L'amour est plein de bonté. Tu dois montrer, l'homme doit montrer de la bonté envers sa femme. Et la femme pareillement envers son homme. Tu dois faire plaisir à ta femme. Et toi aussi, femme, fais plaisir à ton homme. Fais plaisir. Fais des surprises agréables. Ce n'est pas dit que c'est seulement les hommes qui doivent habiller les femmes. Non. Toi aussi, ce que tu veux, vois ton mari porter. Tu connais déjà sa mesure. Et tu lui prends ça. Et tu lui fais porter. Ça. Je te dis le jour là, son cœur va faire bou. Je te dis, c'est des secrets pour gagner le cœur de ton mari. Je te dis la vérité. Tout ce qu'on est en train de t'enseigner, ce sont les ornements du Saint-Esprit. Parce que nous ne portons plus les ornements du monde. On ne porte plus les boucles d'oreilles. On ne met plus les choses ceci pour séduire ton homme. Mais les choses que tu dois désormais porter pour attirer le regard de ton mari envers toi. Pour attirer l'affection de ton mari envers toi, ce sont ces ornements que nous sommes en train de te fournir. Et l'un de ces premiers ornements, il y a la patience et il y a la bonté. Alléluia. Amen.
L'amour n'est point envieux. L'amour n'est point envieux. Et non. Dès le moment que vous vous mettez ensemble, tu dois vivre selon les moyens de bord. Si ton homme n'a pas encore les moyens pour prendre un véhicule, il ne faut pas voir que tous les hommes de sa génération, voilà, ils sont déjà dans leur petit véhicule et que tu veux que, même s'il faut s'endetter pour prendre un véhicule, il faut qu'il le fasse. C'est l'esprit d'envie. S'il n'a pas les moyens de louer deux chambres salon, mais tu dis non, chérie, il faut que tu trouves un cadre. Pardon, doucement. Faut pas envier. L'amour n'a pas d'envie. Alléluia. Amen. Ton homme n'est pas un fainéant. Gloire soit rendue à Dieu. Gigonou, Jésus. Quand tu n'as pas épousé un fainéant. Non, Ada, fonlino. Et il ne sera jamais fainéant. Maintenant, il ne faut pas le pousser. Tcha. Allez selon le rythme du Seigneur. Si le Seigneur dit ça y est, vous devez atteindre ce niveau. Ça y est, vous devez atteindre cette étape de la vie. Ça y est, vous devez atteindre cette étape de la vie. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Mais si tu le forces, amen. Allez vite. Il va tomber. Et quand il va tomber, c'est vous les deux qui sont. Attention. Combattez l'esprit d'envie s'il y en a encore en vous. Tu es le, égorgez-le. Alléluia. Amen. Toi aussi, homme. Oui, le mon sonu. Il faut que tu connais les bonnes manières. C'est pas parce que ta femme ne t'exige rien que toi-même, tu as oublié les bonnes manières. Parfois, moi, je prends ma femme, je dis bon. Aujourd'hui, je vais t'épailler le feu de la cuisine. Allons, on va manger ailleurs. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Si ta femme dit, bon, aujourd'hui, chérie, est-ce que tu peux m'aider? Shawarma, là, me plaît. Ce n'est pas un péché. Shawarma, c'est 1000 francs. Alléluia. Mais si tu demandes, l'homme dit, c'est 100 francs seulement qui reste dans ma poche. Il ne faut pas le mépriser. C'est quel pauvre ça, quel malheureux j'ai épousé. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que les choses se passent de façon équilibrée dans le foyer. C'est ça qu'on appelle le foyer harmonieux. Il faut que l'air du Saint-Esprit circule dans votre foyer. Et pour que ça circule, vous devez respecter ces principes élémentaires. L'amour ne s'invente point. L'homme n'a pas besoin de chanter tous les jours. Tu étais à tel niveau quand j'étais ramassé. Et ce que tu es devenu maintenant, c'est moi qui ai fait ta tolerie. C'est moi fait que tu es devenu potelé comme ça. Non. Ceux qui chantent ces chansons-là, c'est des chansons
abominable aux yeux de Dieu. Rendidi ku diwayin lo ma osinu kon. Si Dieu te montre là où toi tu étais avant qu'il t'a ramassé. Ma okale we fide wade tubo etian we yo. Tu ne peux pas rappeler un passé douloureux à ta femme. Tu ne peux pas rappeler la misère dans laquelle tu as ramassé ta femme. Non. Donc, il ne faut pas se vanter de dire « Ah, c'est moi qui t'ai amené à tel niveau. » Toi aussi, femme. Il ne faut pas rappeler à ton homme. Quand je t'avais pris, tu n'avais même pas de matelas. On se couchait à même le sol. Aujourd'hui, tu es arrogant envers moi. Alléluia. Amen. Je ne m'adresse pas seulement aux heureux du jour. C'est ton cadeau aussi que je te donne. Oui, et il faut prendre ça au nom de Jésus. Toi qui traites ton mari comme ça, qu'il était nul quand tu l'as connu. Et que maintenant, et voilà, attention, l'amour ne se vante point. Il ne sent point d'orgueil. Il n'y a pas d'orgueil dans l'amour. Il n'y a pas d'orgueil dans le foyer chrétien. Le foyer chrétien doit vivre dans l'humilité. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. L'humilité doit vous caractériser. Alléluia. Amen. Il ne fait rien de malhonnête. Rien de malhonnête. Et nous, à nous, à résister debout. Il n'y a pas de malhonnêteté dans le foyer chrétien. À résister, nous, à debout. Non, ici, nous, c'est un domaine. Mais l'honnêteté. Amen. Nous, à vous devez montrer de l'honnêteté. Et nous, à nous, depuis le moins. Mais de soi, mais de gon. La femme doit montrer de l'honnêteté. Nous, nous, donnons nos moins. Quand on parle de l'honnêteté, c'est dans tous les domaines. Tu dois montrer de la transparence. Même dans la gestion de vos finances. Tu dois montrer de la transparence. Si ton mari te confie un peu de sous, pour faire la cuisine, il ne faut pas diviser par deux. Pour combler tes propres vides. Bon, nous, bah, ouais, de l'air, c'est pas quoi de quoi de blon, non, moi, non, eh oh, les caméras du ciel, c'est quoi, Thomas, si te filme, si nous l'air, y a le moment, ouais, alléluia, amen. Il faut que ton cœur soit ouvert comme ça, montre de l'honnêteté, ouvert, clair, le bleu à début, et toi aussi, homme, il faut montrer de l'honnêteté, oui, le mot clair, ouais, non. Alléluia. Amen. Quand tu dis à ta femme, ma chérie, honnêtement, là où je suis, je n'ai pas de souci sur moi. C'est que, amène ta femme à te croire. Mais tu dis, je n'ai rien sur moi. Mais le Seigneur, pour t'exposer, a fait que, en fouillant des effets, il a retrouvé que tu as de l'argent, mais c'est pas bon. Mais toi aussi, femme, quand tu vois comme ça, c'est pas le jour de ton cadeau. Faut pas dire que ah, ils ont caché ton mien, béton, et ton mien. Toujours il me cache ça. Pour aujourd'hui, c'est pour moi. C'est du vol si tu prends ça. Et non, à zéro, bon moment, ne vole pas ton mari. Maja, toutes les femmes voleuses, enfer. Ajota, soy assis, assou et ton legon là. Enfer. Sommet. Sommet. Faut pas voler ton mari. Ma fille, assou toi. Toi aussi, mari, ne vole pas ta femme. Oui, la monsounou. Ma fille, assou toi. Moi, j'ai assez aux petites sacoches de ma femme. Assis, et ton si ça qui a voulu, non, non, y'con. Elle aussi, elle a accès à mon portefeuille. C'est assez libre. Parce que je sais qu'elle ne peut pas me voler. Elle ne m'a jamais volé. Mais si elle me fait l'estime, elle retrouve de l'argent.
Bon, ma quoi la côté maison? Dans ma poche. La côté maison. Elle me le dit. Elle nous donne. Elle me le donne. C'est pas seulement elle prend et dépense pour me dire. Mon corps de vos ans. Non. Il y a aussi des femmes qui sont comme ça. Elle nous dit bon ans. Bon ans. Bon ans. Mon corps de maison. Moi. Tu trouves 5000 francs dans sa poche, mais tu ne sais pas. À ton main. À ton ouais quoi ya. À quoi est destiné? À ton ouais quoi ya toi. Et tu as pris ça. Beaucoup sont bons. Et tu as déjà dépensé. Beaucoup en ho ho. Ah. Avant son arrivée à la maison. Tu vas nous voir. Pardon. Quelqu'un. Alléluia. Amen. Toi aussi, homme. Oui, l'homme aussi nous. S'il y en a là, il ne faut pas penser. Madigueo. Faut pas penser. Si tu sais que tu peux donner plus de 2000 francs pour la cuisine, fais-le. Nous dit d'homme, Nambo. Fais-le. Nambo. Si tu manges bien. Et là, nous, quand tu ton âme aussi est en joie. Allez dans tout un autre. Plus tu donnes, plus, plus ça va se sentir dans la sauce. Et là, mon, do, et tu vas manger bien et tu seras en bonne santé. Bon, do, la et ton âme aussi sera en bonne santé. Allez dans tout le monde, la messie. Mais tu manges. Amon, peut-être pour 2000 francs dehors. T'as qui veut nous corota. Ou bien peut-être pour 5 000 dehors. Abi, t'as raté nous mais pour payer pour la popote à la maison. Amon, bon, nanana, nous quoi, nous quoi. Tu dis, tu donnes, tu donnes 1500. Et tu dis, il faut gérer, il faut gérer. Bon, non, hey. Là, si tu as bien. Non, si tu as bien. Tout ce que j'ai là, c'est ça qui t'a donné. Intérieurement, le Seigneur sait que. À mon moment où on doit dire, qu'on est là, si tu es bien. Les sous nous guenons. Ava. Les hommes, sous nous guenons les. Repentance. Mille voyons. Alléluia. Amen. Il ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. Mais il cherche l'intérêt de tout le monde. Femme, si tu as un projet et tu as commencé la tontine, c'est vrai. Ça peut être un projet qui te vient à cœur, qui te tient à cœur. Mais il faut aussi parler avec ton mari. Pour qu'il te, il faut le consulter aussi. Pour te donner aussi des conseils. Et toi aussi, homme. Quand ta femme te révèle qu'elle a commencé une tontine là, il ne faut pas faire tout le calcul de ta vie sur cette tontine. 100 francs de femme là, c'est comme 1 million d'hommes. Hein? Je vous dis, l'argent des femmes là, c'est difficile. C'est pour ça que les hommes qui escroquent les femmes n'iront pas au ciel. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus parle à quelqu'un ici? Jésus le roi nous mène à Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez travailler pour l'intérêt commun du foyer. Mais nous n'avons pas nous d'abé le compte commun moins d'autant. Quel que soit le projet que tu as. Il faut chercher l'intérêt aussi de ton homme. Et toi aussi, homme, quel que soit ton projet, il faut penser aussi à l'intérêt de ta femme. C'est pour ça qu'il ne faut pas gérer le foyer de façon solitaire. Il faut gérer de façon concertée. La concertation, ça marche trop dans le foyer. Je vous dis la vérité. Je vous dis. Quand vous vous concertez, là où il y aurait des failles, forcément, l'autre va voir les failles. Mais si tu gères tout seul, quand il y aura les conséquences, il ne faut pas pleurer à côté de ta femme. Tu veux investir des millions dans quelque chose et tu n'as pas consulté ta femme et tu as fini d'investir et tu as vu que ça n'a pas porté et c'est en ce moment que tu commences pas à te plaindre. Ton mari ta femme te parle, mais chérie, on va faire toi, laisse-moi. Quoi, tu es bien, j'ai gaspillé tout mon argent et tu es là à m'importuner. Alléluia. L'amour ne s'irrite point. Pas d'irritation dans le foyer. La colère là. Commission. Je vais descendre pour parler à mes filles. Sarah. Pas de
colère dans le foyer. Dorcas. Pas de colère dans le foyer. Ça, je l'ai dit en français facile. Et non, adore. Zoja gbe e mebi na monku je jo e mewe na dodo. La colère c'est un virus qui détruit le foyer. C'est un virus. Si tu ne détruis pas ce virus avant même qu'on vous consacre, c'est grave. Je vous dis la vérité. La colère c'est une porte d'entrée pour le monde spirituel. Le jour où tu tombes en colère, l'Esprit de Dieu se met à l'écart. Et tu es exposé à tout danger spirituel. C'est pour ça que les sorciers, pour te provoquer, pour t'atteindre, ils vont te provoquer. Ils vont exciter la colère en toi. Et quand tu tombes en colère, il te tient. C'est pour ça que il ne faut jamais ouvrir ce portail à l'ennemi dans votre foyer. L'homme ne doit pas se mettre en colère. L'homme ne se met pas en colère comme ça. Ça peut arriver que la femme peut montrer des caprices. Le mot caprice aussi, c'est un mot virusseux dans le foyer. Les femmes capricieuses. Voilà. Il faut tuer ça. Si vous avez cette semence en vous, les semences de caprice. Dans tous les domaines. Vous devez tuer ça. Maintenant, si la femme, s'il arrive. Qu'elle montre des caprices. L'homme, tu dois garder la patience. Tu dois user de la sagesse. Et tu dois montrer de l'amour pour gérer ta femme. C'est vrai, quand la femme commence à montrer des caprices, parfois on a envie de fuir la maison. Mais pardon, ne fuis pas la maison, reviens à la maison. Viens gérer les caprices. Si tu fuis la maison, qui va gérer la maison? Si tu fuis ton trône, si tu fuis ton trône, qui va gérer ton royaume? Alléluia. Amen. Donc, femme, évitez la colère. Les sujets qui irritent. Il faut éviter ça. Et vous aussi. Lorsque tu commets une erreur, tu offenses ton mari et qu'il te le reproche, il faut avoir la facilité de demander pardon. Faut pas tirer. Ce que le diable utilise, mais lorsque vous commencez pas à tirailler, reconnais vite ton tort. C'est fini. Demande pardon. Avec les meilleurs mots. Et toi aussi, homme, quand ta femme te demande pardon, mais qu'est-ce que tu discutes encore? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, tu demandes pardon et ton mari, il n'est pas encore calmé. Faut le tirer. Faut l'amener dans la chambre. Je suis sûr que quand tu le demandes dans la chambre, il va accepter. Alléluia. Amen. C'est très important. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il n'y a pas de soupçon dans le foyer chrétien. Évitez les soupçons. Il faut qu'il y ait la confiance. Quand il dit, Aïdjaï, Edonati. Si le jour. Baby. Il y a crise de confiance. C'est comme si l'ennemi a tiré un coup de fusil dans votre foyer. Il peut avoir toutes les crises faciles à gérer.
Mais la crise de confiance. Amen. Le jour où l'homme commence pas à se méfier de sa femme, le jour où l'homme ne peut plus croire sa femme, il y a problème. Je vous dis, et le jour aussi que la femme commence pas à soupçonner son homme, il y a problème. C'est pour que c'est pourquoi vous devez montrer de la transparence. Dans votre relation. Écoutez. Je vous dis toujours. Entre moi et ma femme. La conscience a un degré trop élevé. Et ça m'aide beaucoup dans mon ministère. Sinon je ne peux pas exercer. Si la femme n'a pas confiance en moi. Si elle me voit avec les âmes. Les soeurs en Christ. Si ma femme n'a pas confiance en moi. Et si jamais une femme dans le bureau pour traiter son cas. Si chaque fois ma femme commence par imaginer des choses. Est-ce que je vais réussir le ministère? Donc vous devez établir votre foyer sur la confiance. Il ne faut jamais qu'il y ait de soupçons. Ni à gauche, ni à droite. Nous verrons, mais des soldats à distance. Je le dis toujours et je le répète. Non, docteur, beaucoup de douleurs. À Jésus revient. Donc Jésus revient. Les portables sont accessibles l'un pour l'autre. Et les portables, mettons-les. Sous nous donnant d'attirer d'eau, nous nous t'en dit. Nous nous donnant d'attirer d'eau, sous nous t'en dit. Daniel. Daniel. Sarah doit connaître le code de ton portable, tous les codes. Sarah donne ton. Nous nous disons. Qu'est-ce que tu vas lui cacher? Et s'il y a quelque chose que tu vas lui cacher, c'est qu'il y a un virus dans ton portable qui va détruire ton foyer. Ton angélé, ayant zompiné de téléphone, tout le monde. C'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose dans ton foyer. Nous dédons. Il y a quelque chose dans ton portable. Nous dédons. Téléphone. Que le diable tient entre lui et toi. Bah, vieux, comme un secret. Que tu caches à ta femme. Bah, donc, c'est ça, là, ouais. Je te dis. Nous dédons. Si elle a confiance. Et non, quand elle pourquoi dit, tu ne vas pas lui montrer. Et où, toi, et à pourquoi à tu ne vas pas remettre ton portable à ta femme. De toi, pourquoi à tu vas remettre ton portable à ta femme. À toi, et tu es inquiet qu'elle fouille. Et toi, tu as un téléphone de Jonas situé. Bon, on a donc assis derrière. Et qu'on a bêté pour. Six femmes. Et toi, tu as des soucis. Pourquoi tu es curieuse de fouiller le portable de ton mari? Et toi, tu as un problème de confiance. Oui, là, on a bêté à sous-tout ce téléphone. Travailler pour établir la confiance, c'est la meilleure façon. Mais oiseau, bon, nous, quand on dit, on est déjà. D'accord. Tu oublies ton portable avec ta femme, mais tu ne peux plus dormir. Ah, mon téléphone, je donne à situer. Bah, mon doudoglo. Parce qu'il y a des numéros donc, cachés dedans. Parce qu'il y a des choses que tu lui caches dedans. Numéro de la timo de même, bah, oui, voilà. Ah, Jésus revient là. Donc, Jésus revient. Il n'y a pas ça. Et ne de ouf, il y a. L'homme a droit. Sous nous, d'être. Il a accès libre au portable de sa femme. Et d'être de téléphone, si ton ton dit, voilà. Et tout le contenu. Nous, de même, il a accès libre à l'ordinateur de son homme. Et ordinateur sous ton tendu. Ce que tu devras lui cacher, tu ne lui caches pas. Nous, on a des désormais, vous serez nus l'un envers l'autre, l'un face à l'autre. Ou bien, maintenant, tu te mets nu devant lui, mais tu lui caches le contenu de ton portable. Ah non, non, mais nous comptons. Il y a un problème. Téléphone, tu es sans regarder. Alléluia. Amen. C'est un principe de base. Donne-nous un. Pour que le foyer soit stable. Ce que je vous dis là, ces choses ne sont pas pratiquées dans le monde. C'est pour ça que la relation ne dépasse pas un an. Pour beaucoup. Il y a des femmes, c'est que elles ne pourront jamais vivre sous le toit d'un homme. Parce qu'elles ne pourront pas mettre ces choses en pratique. Il y a aussi des hommes. Ils ne pourront jamais garder une femme un an dans leur foyer. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter ces choses-là.
Mais si tu es en Christ, c'est les bases fondamentales. Pour que ton foyer soit solide. Pour que l'air du Saint-Esprit circule dans ton foyer. Voilà, comme dans le jardin d'Éden, le souffle de Dieu se mouvait. Pour que l'air du Saint-Esprit se meule dans ton foyer, il faut que tu bâtisses ton foyer sur ces bases fondamentales. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. L'amour ne se réjouit point. Il n'y a pas d'injustice. Il faut montrer de la justice. Mais elle se réjouit de la vérité. De la vérité. De la vérité, peuple de Dieu. S'il n'y a pas la vérité entre vous, vous êtes cuit. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Si tu dis noir et on voit blanc, c'est fini. Votre foyer prend un coup. Toi, femme, tu dois dire la vérité à ton homme. Alléluia. Amen. Tu dois montrer, ouvrir ton cœur à ton homme. Nous, en toutes choses, en toutes circonstances, tu dois lui montrer, ouvrir ton cœur. Alléluia. Amen. L'amour excuse tout. Le pardon. Et non ça, le dialogue. Je l'ai déjà dit et je le reviens. Le pardon, le dialogue, l'excuse. Celui qui offense l'autre doit rapidement se remettre en cause. Peut-être que toi, ce que tu as fait, tu ne sais pas que ça a blessé l'autre. Et si tu dis que ça me blesse, pourquoi tu veux discuter? Pourquoi tu veux dire non que toi, tu n'as rien fait de mauvais? Hein? Tu as cassé la montagne comme ça. Aussitôt qu'il te dit, ah, ma chérie, vraiment, tu m'as fait mal. Il faut le calmer. Oh, oui, ouais. Un pardon. Quelqu'un, et puis c'est enterré. Toi aussi, on te demande pardon. Oui, là, mon bon est bien. Il faut pas endurcir ton cœur. Tu n'as pas un cœur de lion. Alléluia. Amen. Si on te demande pardon, il faut pardonner. Il faut laisser tomber. Pourquoi tu vas tirer jusqu'au soir? Jusqu'à ce que la nuit, vous êtes dormi dos à dos. Pourquoi? Si vous dormez dos à dos là, sachez qu'il y a un arbitre. Et l'arbitre là, c'est Satan. Bon, Satan, ouais. Je vous dis la vérité. Ces choses-là sont très importantes. Alléluia. L'amour croit tout. L'amour croit tout. La confiance, j'ai déjà parlé de ça. Mais si ta femme te parle, faut croire. Faut pas toujours remettre en cause. Faut pas douter de tout ce que ton mari te dit, de tout ce que ta femme te dit. Tu doutes de tout. Toi aussi, femme. Les femmes qui ont l'esprit du mensonge là, je ne peux pas vous parler. Repentant seulement. Les femmes qui ont l'esprit de mensonge, leur entrée au ciel sera difficile. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Dites la vérité l'un à l'autre. C'est très important. L'amour croit. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Supportez tout. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous l'un l'autre. Les faiblesses. Supportez les faiblesses de l'autre. Ce n'est pas un ange que tu as épousé. Hein? Alors tu penses que c'est un ange que tu as épousé? Ah, c'est un ange? Ah,
tu as trouvé l'homme parfait. Ah, c'est la femme parfaite que tu as épousée. Je ne crois pas. Il y a forcément des faiblesses en elle. Il y a des faiblesses en lui. Que tu dois apprendre à connaître. Tu dois apprendre à supporter. Et lorsque toi aussi, on te relève aussi tes faiblesses. Faut pas prendre ça comme un mépris. Hey! Maï, ta femme te fait pas de tes faiblesses. Alléluia. Amen. Les choses qu'on va te dire dehors, et ça va te faire mal, permet que ta femme te le dise à la maison avec douceur. Et que quand elle te le dise, corrige-le. Et toi aussi, homme, ce qui ne va pas sur ta femme ne permet pas que ça soit au dehors qu'on va lui dire ça. Alléluia. Amen. Si ton mari est mauvais, est-ce que c'est un péché? Il ne mange pas bien, mais dis-lui mon chéri, souvent quand je te vois en train de manger, je vois que tu es un peu trop pressé. Faut aller doucement. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vous dis, accepte. Ça fait partie de ton prisma. Big bateau, né. Alléluia. Amen. Nous ne disons que à quoi toi. Et non, non. Si on te dit que tu es sale, ma propre. Hein? Sale, c'est un gros mot. Ma propre. Et non, non. À quoi tu parles? Il faut que tu. Ah, ma chérie, c'est vrai. Aide-moi. Ani, il peut te dire un nous boy. Ah, quoi alors nous? Mais tu le dis avec mépris. Avant, adore quoi toi. Tu le dis avec mépris. Adokodo, il va recevoir ça négativement. Ouais, nous n'adonni kodo. Même si quoi, enayi kodo ayikanya yako. Alléluia. Amen. Écoutez, tu parles avec ta femme. Adokodo, tu vois que tu as une mauvaise haleine. Bon, à mon endroit, si ta femme ne te dit pas, si tu m'as donné, mais tu parles dehors avec les gens. Adokodo, quand on t'accorde, les gens n'ont pas envie de rester moins de 1 mètre pour parler avec toi. Et non, pas que non. Les gens ne t'aiment pas. Bon, hein? Non, c'est parce qu'il y a quelque chose nous dauphine sur toi qui est une faille. Tout est bon, nous et permet que ta femme te le dise. Et que vous cherchiez de solutions. Bon, nous content. Moi, ma femme me corrige. Ma femme corrige des choses sur moi et ça me fait plaisir. Alléluia. Amen. Permets que ta femme, parce que tu lui appartiens désormais, ton corps lui appartient et son corps t'appartient. Donc vous appartenez l'un l'autre. Donc acceptez les corrections de l'un sur l'autre. Alléluia. Amen. C'est très important. Si tu sens de mauvaises odeurs, c'est ta femme qui doit t'aider à régler ça. Vous devez. Oui. Alléluia. Amen. On le prête toutes ces choses ici. La propreté, c'est aussi dans la sainte doctrine. Edo. Saint Wiwe, ma autant les mains. Les femmes à Tungorola. Il n'y a pas ça dans la sainte doctrine. Les femmes malpropres. Je vous dis, repentance vite. Mais la voix. Quand je viens chez toi, et, non, wa, et je vois que c'est les mouches qui règnent. Bon, mon nom. Tu vas me montrer leur trône dans le foyer. À soukole, wa, doa, khosu, bodo, ganzin, pou, eton, klemi, wa, eh oh. Femme doit être propre. Quand on vient chez toi, depuis la cour
On doit sentir l'air de la propreté. Alléluia. Quand vous venez devant Jésus, reviens. Vous sentez quoi? Vous sentez l'odeur du ciel. Acclamez pour Jésus. Voilà. Alléluia. Quand on vient chez toi, depuis la cour là, on doit sentir de bonne odeur. L'odeur de la propreté. L'odeur de la sainteté. La, regarde, la sainteté dégage une bonne odeur. Et ça, c'est dans cette odeur que le Saint-Esprit se meut. Amen. Mais quand on vient, ça dégage de la pourriture. À tout moment là, c'est l'odeur d'une souris en décomposition là qu'on reçoit chez toi. C'est parce que tu es mal propre. Les habits sont sales, tu n'as pas lavé il y a longtemps. Et tu dis que c'est la souris qui est morte. Alléluia. Amen. Vous voyez comment la sainteté est beau. Si tu es content de la sainte doctrine, acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. C'est les secrets de la sainte doctrine, de la vie de sainteté. Ce sont ces secrets que nous sommes en train de vous dévoiler. Peut-être que tu n'as jamais assisté à un tel mariage de ta vie. Tu n'as jamais entendu ces messages. Le mariage que tu assistes, tu vas seulement et on prie et on fait comme ça et puis comme ça. Tout le monde dit amen. Et pour le monde attend sa fourchette et son plat. Ici tu es en train de manger le meilleur plat. Donc même si on ne te sert rien, même s'il n'y a plus de réception, il faut dire à ton âme, tu as mangé de la bonne nourriture aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons finir. Amen. Alléluia. Amen. Peu de Dieu, il y a des choses très très importantes que le Seigneur veut que j'ajoute nous avant que nous finissions. Les hommes qui battent leur femme, il n'y a pas ça, Jésus revient. Il n'y a pas ça dans la sainte doctrine. Et tout homme qui lève la main sur sa femme, c'est comme si tu as, je ne sais pas, c'est une malédiction. Nous devons. Je vous dis la vérité. Le jour où tu lèves la main sur ta femme, le ciel se ferme sur toi. Parce que la parole déclare que la femme est un être faible. Faible, sans défense. Donc tu es sa défense. Tu es son protecteur. Et toi qui dois la protéger, tu es devenu son Goliath. C'est un crime devant Dieu. Toi aussi, femme. Je vous t'ai toujours dit. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de bouche. Mais je lui ai dit, gardez votre langue. Il faut attacher. C'est très important. Apprends à dire des choses qui édifient. Et non des choses qui irritent. Tu as quelle bouche même? Tu as quelle bouche? Faut dire des choses agréables. Apprends le dire. Il faut fouiller dans le dictionnaire du Saint-Esprit. Les fruits de l'esprit sont où? Il faut les manifester.
L'amour, c'est où? La douceur, c'est où? La patience, c'est où? La tempérance, c'est où? La bonté, c'est où? La bienveillance, c'est où? Mais toi, c'est la colère. Tu parles avec avec mépris. Toutes les femmes qui portent des injures sur leur homme, c'est une malédiction. C'est un crime devant Dieu. Le jour où tu vas dire, d'où on est allé piquer cette chose-là que j'ai épousée. Je te dis, c'est un crime. Parce que tu as promis devant Dieu de l'aimer jusqu'à la fin de tes jours. Donc tu tiens parole. Et quel que soit ce qui va arriver, tu dois bénir le Seigneur. Les femmes qui ont le caractère de jalousie, évitez cela. Vous savez, mais toi, les hommes que vous voulez épouser aujourd'hui sont appelés à servir le Seigneur. Ils sont appelés à traiter avec tout le monde, hommes comme femmes. Des âmes, bien sûr. Allez dans l'air, t'en dis. Mais si tu vois chaque fois ton mari avec une soeur en train d'échanger, tu ne commences pas à avoir des idées négatives. C'est que tu es devenu un danger pour le ministère de ton mari. Tu dois avoir le calibre. Alléluia. Amen. Tu ne dois jamais avoir de mauvaises pensées. Et toi aussi, je parle aussi aux sœurs en Christ. Quand vous voulez parler avec les hommes de Dieu, là, sachez que c'est des hommes de sexe contraire. Et ce sont aussi des humains. Tu ne peux pas être en train de parler avec un homme de Dieu, en train de lui faire comme ça, en train de lui faire comme ça. Quelle est cette connexion? Il faut une distance de sécurité. Voilà. Mais tu croches et tu t'approches. Non. Alléluia. Amen. Si tu veux venir vers un homme de Dieu, tu n'as pas besoin de montrer toutes les choses là de ta démarche. Alléluia. Amen. Résister au diable. Il sera loin de vous. Il ne faut pas le provoquer. Alléluia. Il ne faut pas provoquer le diable. Lui, il cherche et il rôde à et tout moment. Autour des chrétiens, autour des hommes de Dieu. Donc évitez. Sarah, Dorcas. Sarah, vous êtes appelés à être des modèles pour cette génération dans la sainte doctrine. Nous, vous avez suffisamment reçu les rudiments de la sainte doctrine. Donc vous devez le montrer partout où vous serez. Si c'est oui, amen. Dans vos caractères, dans vos attitudes, dans tout ce que vous faites, on doit sentir que effectivement vous êtes de Jésus revient. Ne soyez pas Jésus revient de nom. Mais soyez Jésus revient de qualité, d'attitude, de comportement, de caractère. Jésus revient de bon moment. Donc nous, vous ne devrez pas vous mêler dans des scandales dans l'église. Vous ne devez pas, vos noms ne doivent pas être cités dans des sujets de scandale, des sujets de calomnie, des sujets de querelle dans l'église, non. Le fait que vous êtes femme de serviteur de Dieu ne fait pas de vous chef dans l'église, non.
Mais c'est toi, ton sens, c'est toi, mi doit. Soyez effacé, humble. Mini, et excellez bon, quand vous avez toujours fait dans votre vie chrétienne. Donc, besoin ici, non, ton pour qu'on voit les fruits bon, non, si, moi, si, du Saint-Esprit en vous. Et non, moi, si, c'est, moi, autant, moi, les rancunes, vous devez tout faire. Vous devez garder rancune avec personne. Ni dans l'église, ni ailleurs, même dans votre voisinage. Vous devez vous ouvrir. Et attention aux fréquentations de voisinage. La parole de Dieu dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsque vous commencez les mauvaises fréquentations, vous commencez par cueillir des mauvais fruits. Et vous allez semer ces mauvais fruits dans votre foyer. Et vous allez détruire votre foyer. Vous n'avez pas d'amitié païenne. Non. Alléluia. Amen. La seule chose que tu peux faire avec un païen, c'est de lui communiquer l'amour de Jésus. C'est de lui transmettre la bonne nouvelle. S'il accepte, gloire à Jésus. S'il n'accepte pas, faut pas aller t'asseoir chez lui pour dire que tu vas regarder télé jusqu'à ce que il va accepter la bonne nouvelle. Tu ne fais rien. Mino, télévision faut pas aller regarder télé chez le voisin. Non. Télé, ton mari n'est pas à la maison. Peut-être que la télé est en panne et tu dis que tu vas aller regarder chez le voisin. Quelle télé? Voici ta télé. Télé toi, oui oui. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de mettre les barrières. Alléluia. Amen. La femme doit savoir faire de bonnes cuisines pour son mari. Hey, Sarah. Je sais que ce côté-là, c'est réglé. Hein? Bon, en tout cas, ma femme peut témoigner. Dorcas. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Voilà. Si tu es femme ici, tu ne sais pas faire la cuisine à ton mari. Viens dans la sainte doctrine, on va t'apprendre ça. Si c'est un mime, on a plein. Amen. Alléluia. Ah, si tu prépares ton mari, amen. Tu sais pas, c'est ton amour qu'il est en train de vomir comme ça. Je te dis la vérité. Si tu ne sais pas préparer, c'est difficile de gagner le cœur de ton mari. Écoute, quand il mange avec son âme, avec son esprit, avec tout son être. Donc, quand tu prépares mal, il mange avec eux. Toutes les fois qu'il vient à la maison, il voit assiette fermée, il va avoir des soucis. Peut-être il mange juste pour te faire plaisir. Mais en réalité, son esprit ne mange pas. Et si vous remarquez ça là, appelez-moi personnellement. Alléluia. Amen. Elles vont revenir encore en stage. Et allez, ouais, nous pouvons maintenant. Alléluia. Amen. Le secret, un des secrets importants. On doit pour garder ton foyer. Tu dois bon savoir faire de bons repas. De bonne nourriture à ton mari. Et même il faut innover. Innover. Il ne faut pas manger les mêmes choses. Tous les jours. Non, il faut innover. Ah, Dio. En lire l'acrobatie demain. Et ne, tu vas changer. Je sais que le serviteur Joseph, il a le secret des bons foufous. C'est toi, Joseph, il a goussousso d'abonnement. Alléluia. Il faut innover. Je vous dis la vérité. Non, Dio. C'est comme ça. Moi. Alléluia. Amen. Dans la cuisine, c'est un élément capital. Nous dit d'ailleurs et nous t'as dit
Et un autre élément très important, bon, la vie de consécration dans le foyer. Et oui, mais des clans, oui, oui. La vie de prière. La vie de prière. La vie de méditation. La vie, c'est que vous deviez consacrer. Il ne faut pas que votre mariage ralentisse votre relation avec le Seigneur. Non. Ah, Dieu il est jaloux. Hein? Malgré tout. Nous tu dois aimer Jésus plus que ton mari. Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Amen. C'est lui qui te permet et de te soumettre à ton mari. D'aimer ton mari, de faire toi bon, ton mari. Mais, amen. Dans ton intimité avec le Seigneur, si ça chute, il y a problème. Donc tu dois maintenir cette relation que tu as toujours avec le Seigneur jusqu'à ce qu'il t'a donné le mari cadeau. Alléluia. Regarde, tu penses que cadeau chez Jésus là c'est fini? Le plus grand cadeau chez Jésus là, c'est mariage seul. Après le mariage, est-ce qu'il n'y a pas d'autres cadeaux qu'il va te donner? Nous n'y n'avons pas quoi? Il y a les cadeaux encore. Il y a l'enfantement. Il y a des jumeaux qu'il va te donner. Il y a des triplés qu'il va te donner. Mais si la relation chute, le cadeau va s'arrêter là. Il y a un problème dans ta relation avec le Seigneur. Dans ton intimité avec le Seigneur. Donc ne permettez jamais qu'il y ait un problème entre votre intimité avec le Seigneur. Le nombre de fois que vous louez le Seigneur, que vous adorez le Seigneur, en une journée, il ne faut pas que ça baisse. Il ne faut pas que ça diminue. Ta fréquence de jeûner, ça ne doit pas baisser. Mais cette fois-ci, désormais, vous êtes ensemble. Et vous devez le faire ensemble. Alléluia. Amen. L'homme doit enseigner sa femme. Alléluia. Amen. Il doit orienter sa femme avec la parole de Dieu. S'il y a un problème qui vient entre vous, c'est avec la parole de Dieu que vous allez régler ça. Alléluia. Amen. Donc la vie de consécration dans le foyer est important. Alléluia. Il y a un autre sujet très important. C'est l'intimité sur le lit conjugal. Alléluia. Amen. L'intimité sur le lit conjugal. Ça là aussi c'est sacré. Lisez-moi 1 Corinthiens 7. Je pense le verset 1er. Vite. 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du premier verset. Yes. On entend dit généralement qu'il y a Corinthiens 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, yes. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impuridicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Vous avez entendu? C'est parce que tu ne peux pas rester célibat à vie que tu as décidé de te marier. Tant que tu n'as pas reçu la grâce que l'apôtre Paul a reçue. Lui, il ne s'est pas marié. Donc il souhaiterait, parce que quand tu n'es pas marié, c'est que tu vas prendre Jésus comme ton mari et il n'y aura pas d'obstacle dans ta relation avec le Seigneur. Et lui, il propose, il souhaite, mais comme il sait que nous sommes dans la chair, nous sommes des humains, et que parfois la chair
Et la chair fait la chair. Voilà. Il demande que chaque homme ait sa femme. Et chaque femme ait son mari. Afin d'éviter de tomber dans l'impudicité. Pour que la femme ne soit pas amenée à désirer dehors. Et que l'homme ne soit pas amené à désirer dehors. Alléluia. Et donc, une fois que vous êtes mariés, la parole dit, verset 3, que le mari rend à sa femme ce qui lui doit. Le mari rend à sa femme ce qui lui doit. C'est un devoir, c'est une dette. L'intimité sur le lit conjugal, c'est une dette que vous devez l'un à l'autre. C'est important. Il n'y a pas, quelque chose que tu vas dire non. Si tu dis non, tu as péché contre ce verset-là. Les femmes qui ciblent toujours, je suis fatigué, je suis fatigué. Et il met les hommes dans une situation de chaudière. Les hommes n'arrivent pas à dormir. Toi, tu es en train de ronfler. Mais lui, il ne peut pas dormir. S'il meurt cette nuit et t'es en enfer, c'est que toi, tu l'as envoyé en enfer. Donc, toutes les fois que ton homme te désire, il faut te laisser accessible. Toutes les fois que ta femme te désire, il faut te laisser aller. Tu n'as pas pilé l'eau. Chaque fois que tu dis, je suis fatigué, Attention. Si tu as un problème, il faut prier. Voilà. Mais si tout va bien, il ne faut pas chaque fois parler de fatigue. Je vous tiens. Je vous le répète. C'est un sujet important qui détruit même beaucoup de foyers chrétiens. Beaucoup de femmes vont aller en enfer à cause de ce sujet-là. Parce que beaucoup de femmes poussent leurs hommes dans l'adultère parce qu'elles refusent le lit à leur mari. Je vous dis, si vous avez ce problème, je ne parle pas seulement pour les mariés. Mais je parle aussi si vous êtes ici. Si vous avez ce problème-là, c'est peut-être à cause de ton caractère. Ton mari est devenu polygame. Et tous les polygames iront en enfer. Maintenant, toi qui l'as poussé à devenir polygame, est-ce que tu iras au ciel? Tu n'iras pas aussi au ciel. Donc, toutes les fois, la parole de Dieu est claire. Lis-moi ça. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Et pareillement, oui, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Yes. C'est la femme. Yes. Ne vous privez point l'un de l'autre. Vous avez vu, ce passage-là a pris au moins 4 versets. Ce qui veut dire que c'est un sujet important. Ne vous privez pas l'un l'autre. Alléluia. Ne refuse pas le lit à ton mari. Ne refuse pas le lit à ta femme. C'est très important. Elle t'a dit. Beaucoup de foyers sont en crise à cause de ça au moment où je vous parle. Et si ces foyers m'écoutent en ce moment, Dieu n'a pas besoin de descendre de son trône pour vous parler. Le Seigneur est en train de vous parler déjà en ce moment. Pour que toi, femme, tu te répands.
Pourquoi tu t'es marié? Et t'es où à Dassou? Tu n'es jamais prête. Attention, c'est un virus, je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Toi aussi, homme. Oui, si tu n'as pas un problème, non, tu n'es jamais intéressé. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que les choses se passent de façon équilibré. C'est comme ça qu'il a créé le jardin d'Éden. Et tout se passait bien. Fini. Si ce n'est de commun accord. Si vous les deux vous décidez de passer un moment de prière, gloire à Jésus. Mais si ce n'est pas le cas, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble. Puis retourner. Que rien ne vous sépare. Alléluia. De peur que Satan ne vous tente. Vous avez vu, c'est un passage très très important. Il faut que toutes les femmes méditent ce passage-là. Jusqu'à ce que l'apôtre Paul prononce le nom de Satan. C'est parce que effectivement, Satan exploite cela contre le foyer. Apôtre, femme, tu peux être intercesseuse comment? Tu peux être prophétesse comment? Tu peux prier, la terre tremble. Mais tu refuses le lit à ton mari. Et chaque nuit, il dort comme un malheureux. Attention. Chaque parole dans les Saintes Écritures est écrite pour notre instruction. Pour notre édification. Donc, ce n'est pas sujet à négliger. Les foyers qui sont en crise. Mon mari ne m'aime pas, mon mari ne m'aime pas. Est-ce que tout ce que nous sommes en train de citer, est-ce que tu as mis tout ça là en pratique? Revois aussi ton caractère et tout ira bien. Maintenant, dans le domaine de l'intimité, il y a aussi des lignes rouges. Parce que nous sommes dans la sainteté. Donc dans la sainteté, il y a des lignes rouges. Il y a des lignes rouges que la parole de Dieu a tracées. Alléluia. Amen. Nous avons des enfants parmi nous. On ne va pas dire les choses d'une manière. Mais lorsque ton homme demande ton intimité par derrière, pas là où tu défèques, c'est grave. Ça, c'est grave. Mais il a besoin de délivrance. Et donc, si tu refuses, et donc, tu n'as pas péché. Ah, ouais. Si c'est à cause de ça, et tu as tout dit, tu l'as chéri, tu l'as. Et il dit que c'est ça lui. Veut. Sache que c'est un démon de chair. Tu n'enjèle, big boy, ma si tu te mets dehors, et c'est ta délivrance. Quand on tourne, je te dis. Parce que dans la parole de Dieu, tu ne coucheras pas avec une femme comme on couche avec un animal, comme on couche avec un homme. C'est des choses qui se passent à Sodome et Gomorrhe. C'est pour ça qu'on parle de Sodome. Sodomie, pas de sodomie dans le foyer chrétien. Alléluia. Amen. Il n'y a pas la fellation. La bouche que Dieu t'a donnée ne peut pas servir à la paix. Donc tu ne peux pas prendre l'intimité de ton homme, l'intimité de ta femme dans la bouche. Et tu finis, tu vas nettoyer ta bouche et tu vas commencer par chanter encore pour Jésus. Ton bouche va sentir caca devant Dieu. Alléluia. Amen.
Lorsque ta femme est dans un moment de menstrue, tu ne peux pas t'approcher d'elle. C'est de l'impureté. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas allumer tes vidéos de porno pour te mettre intimité avec ta femme. Tu invites des démons dans ton foyer. Toi qui as des images de pornographie sur ton portable. Et tu as amené même, tu as osé même amener ça jusqu'au lieu saint ici. Pardon. Faut supprimer. Arrivé à la maison, demande pardon. Et il faut supprimer ça. Toutes les fois que tu allumes ça devant ta femme, peut-être que ta femme, elle n'a pas vite le désir. Et que tu penses que c'est ça que tu utilises pour la réveiller. Est-ce que tu peux réveiller un cadavre? Attention. C'est la prière. Si ta femme a ce problème, c'est qu'il y a un problème de mari de nuit et de femme de nuit dans votre foyer. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent témoigner. Dans leur sommeil, elles voient que des hommes couchent avec elles. Dans leur sommeil, elles voient que l'homme qui couche avec elles, elles se laissent bien à l'homme dans le sommeil. Mais quand leur mari comme ça, veut s'approcher d'elle, c'est parce que tu es marié spirituellement et tu as besoin de délivrance. Tant que ce mari spirituel couche avec toi dans le sommeil, tant que ce mari n'est pas mort, ton mari dans la chair, vous ne pouvez jamais vous comprendre. Pareillement pour l'homme, les hommes qui ont des femmes de nuit. Tu vas voir que tu ne désires pas comme ça ta femme. Tu n'as pas envie comme ça d'elle. Mais chaque fois dans le sommeil, tu vois que tu tiens des relations avec une femme inconnue. Dans le sommeil, tu vois que tout s'est bien passé. Parce que ta femme est spirituelle. Et tu as besoin de le tuer d'abord avant d'être libéré. Et plusieurs parmi vous comme ça ont des enfants spirituels. Et tant que ces enfants ne sont pas tués, c'est difficile pour vous d'avoir des enfants dans la chair. C'est des réalités spirituelles. Alléluia. Amen. C'est des réalités spirituelles. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de finir sur un dernier point. Les enfants que le Seigneur va vous donner, vous devez éduquer ces enfants selon la sainte doctrine. Vous ne devez pas éduquer vos enfants avec les choses du monde. Si vous éduquez vos enfants avec les dessins animés, avec les jeux vidéo, vous êtes en train d'initier vos enfants à la sorcellerie. Aujourd'hui, beaucoup de dessins animés font la promotion des œuvres des ténèbres. Tu ne peux pas éduquer tes enfants avec les films de guerre. Sauf si tu veux que ton enfant devienne un braqueur. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi tu vas payer jeux vidéo de karaté, de boxe à ton enfant. Toi, chrétien. Au lieu de lui apprendre à connaître la parole de Dieu, lui a enseigné la parole de Dieu. Tu dois éduquer ton enfant pour devenir les serviteurs de cette nouvelle génération. Tu vas faire de ton enfant les Étienne de cette génération. Les Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego de cette génération.
et non des vandames de cette génération. Faut pas amener ton enfant dans un dans une école d'art martial. Pourquoi tu vas le faire? Pourquoi tu vas amener ton enfant dans une école de football? Pourquoi tu vas livrer ton enfant à balle péor? Ne le fais pas. Mamblo, éduque ton enfant selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, c'est des choses élémentaires. Et le sacré des sacrés. Que le Seigneur veut que vous sachiez, c'est la fidélité. La fidélité. Vous ne devez jamais vous tenter, même parce que cela ne vient même pas dans votre tête, de vous séparer un jour. Sauf si vous décidez d'aller en enfer. Malachie 2, verset 14. L'Éternel est témoin de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est pas un jeu d'enfant. Le mariage, c'est pas un jeu d'enfant. Le ciel est témoin de ce qu'il est en train de se passer. À laquelle tu es infidèle. Tu ne seras pas infidèle au nom de Jésus. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. La femme de ton alliance. Lorsqu'on vous consacre, c'est une alliance. Copie-coller. Attaché, lié. C'est où super glue? C'est plus soudé que super glue. Quelqu'un qui va tenter de vous séparer, il va mourir. C'est très important. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Je parle d'Abraham. Prenez donc garde en votre esprit. Vous savez, quand Dieu parlait, dit prenez garde. Prenez garde. Toutes les fois que Dieu parle du mariage, c'est qu'il parle de fidélité. C'est important. Prenez garde. En votre esprit, il ne parle pas seulement de votre chair. Parce que c'est d'abord une alliance spirituelle. En votre esprit. Et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. À la femme de sa jeunesse. Ni à l'homme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation. Vous entendez? Répudiation. Dieu hait la séparation. Dieu hait la répudiation. Dis l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement. Dis l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit. Ah, il est encore revenu. Il a répété encore deux fois. Et ne soyez pas infidèles. Vous entendez? Ce qui veut dire que ce côté-là, le Seigneur a mis le cachet plusieurs fois. Pour que vous sachiez que quand on dit oui devant lui, on ne dit plus non après. Et donc, c'est très important. Ton peuple de Dieu, ces choses-là, c'est des choses élémentaires. Nous, si vous les gardez,
Si vous les mettez en pratique, vous êtes heureux. Mais si vous les négligez, ça va vous rattraper. Et vous allez chercher à beaucoup jeûner. Vous allez chercher à beaucoup prier. Et Dieu, il va vous regarder. Parce que vous avez laissé l'essentiel. Et je sais que vous n'êtes pas des enfants oubliés. Vous n'êtes pas des enfants négligents. Pour négliger de telles choses. Peuple de Dieu, c'est des choses que vous devez comprendre. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ.